ici à la maison des jeunes de Tubize pour partir tous ensemble faire un micro-trottoir sur la lecture. Et donc on va partir à la bibliothèque et dans le centre de Tubize. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut un peu m'expliquer ce que c'est que le projet Tu lis quoi ? Je vois qu'il y a une belle bibliothèque. Bien sûr, le projet Tu lis quoi, comme vous pouvez le constater, c'est une bibliothèque. Il y en a quatre dans les quatre coins de Tubize, on va dire. Et donc, les amateurs de livres donc, peuvent prendre un livre pour le lire et le remplacer par un autre livre s'ils veulent le garder. Ils peuvent le déposer dans les quatre bibliothèques, n'importe laquelle qui se trouve. Au passage Champagne, il y en a deux, ça. Il y en a un à la Fabrique de Soie. Maison de quartier de Clavec. Ah, Maison de quartier de Clavec. Et ici. Et ici, voilà. Donc voilà, et toi tu es Madison, tu vas aller interviewer les gens aussi ? Oui. Madison, notre reporter, Sylvie qui travaille à la bibliothèque, si je me souviens bien. Oui, hein, voilà. C'est ça. Et notre petit Max, reporter en herbe aussi, qui a envie de se mettre un peu au montage vidéo. Ouais. Donc maintenant on va tous partir dans le centre-ville pour aller interviewer les gens et on va aller voir ce que eux pensent de la lecture et du projet Tu lis quoi ? C'est original, moi j'aime bien lire. Pas vraiment, je ne lis pas beaucoup. Ouais. Non. Moi aussi. J'aime pas lire. Donc j'arrive pas à accrocher facilement à la lecture. Pourquoi t'aimes lire ? Et quoi, tu aurais pas un livre à nous suggérer pour la bibliothèque ? Un livre coup de cœur. Ouais. En ce moment, je les accroche au film, mais c'est mon coup de cœur à moi, je ne sais pas pour les gens, mais moi j'adore. Et pourquoi tu adores ce genre-là, tout à petit pit ? Parce que c'est simple, c'est marrant, ça détend. C'est mieux que des livres sérieux, policiers, on doit réfléchir, etc. Mieux que les livres de l'école. Ouais. En résumé. Peut-être l'odeur. Bah, un peu. Ouais, bien sûr. Ouais. Je veux dire, qu'est-ce que vous pensez de cette bibliothèque ? Ah, mais c'est pas mal, elle est plutôt bien située. Ouais, vous aimez lire. Oui, un livre à nous conseiller. Les livres historiques, les romans historiques de Ken Follett. Les romans historiques de Ken Follett. Monsieur, voilà. Donc voilà. Vous aimez lire, monsieur ? Pardon ? Vous aimez lire ? Oui. Parce que je vois ici, mais bon, j'aime bien lire. Oui. Ah, monsieur. Et quel livre vous lisez en lire ? Oh, surtout Alan Comen. Alan Comen ? Bon, j'ai lu un petit peu tout. Conley. Dans ce style. Allez, coup de cœur. Un livre que vous aimez bien. Attends, mais moi les noms. Mais tous les Alan Comen. Les policiers plutôt. Oui, c'est ça. Je sais plus les policiers, moi c'est plus des livres d'aventure. Aventure. Ah, mon amour ? Oui, ça aussi, pourquoi pas. Bah, oui, bah enfin, quelle question. Bien sûr. Et donc, quel livre vous a plus attiré étant jeune ? Quel livre vous a dit Il y a un livre, j'aimerais bien le trouver, mais que bon, heureusement, j'ai déjà cherché, je ne trouve pas. C'est Le matin des magiciens de Comen et de Berger. Est-ce que vous savez si vous aimez lire ? Ah oui, beaucoup. Oui, je viens régulièrement ici à la bibliothèque de Tubize. Vous lisez quoi comme genre de livre ? Pardon ? Vous lisez quoi comme genre de livre ? Oh, des romans, un peu toutes sortes, des biographies, un peu de tout. Psychologie, j'aime bien aussi. Des policiers. Les Simonneau, par exemple. Je ne sais pas, vous avez un livre à nous poser, un livre que vous aimez bien, un coup de cœur que vous avez lu ? Je ne retiens pas souvent les titres, donc c'est mal barré. Les livres de Colette, j'aimais bien, mais bon, il y a longtemps. J'ai lu toute la série des Colette. Ça va, ça va. donc voilà, ici, on a une petite bibliothèque. Oui. Et donc, si vous voulez venir poser des livres et tout, je ne sais pas, vous avez déjà vu Oui, bien sûr. Oui, oui. Voilà. Vous en pensez quoi ? Ah, c'est bien, c'est une bonne idée. Hein, oui, c'est chouette. Voilà, c'est la maison de jeunes de Tubize qui organise ça avec nous. Ah ben, c'est une bonne initiative. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous aimez lire Non. Tu peux lui dire pourquoi ? Pourquoi vous n'aimez pas lire Non, mais j'aime bien lire des livres, mais j'aime bien lire, mais en vacances. Et vous allez les louer à la bibliothèque Ouais, parce qu'ils sont gratuits. C'est vachement intéressant. Et puis, vous lisez quoi comme style de livre ? Plutôt des romans et j'aime bien Barrico. J'aime bien ce livre, il est un peu politique. Voilà. Et vous le conseillez quoi comme livre Les Châteaux de la Colère de Barrico, ou comme autre livre. Je ne sais pas. Ou une BD Oui, il y a Hundred Bullets qui est très chouette. Un comics hyper chouette. Et
Et vous lisez donc que les vacances, pas les... Non, je suis pas temps pour la mienne, donc je prends des bouquins juste pour les vacances et au soleil, je lis tranquille. Ben merci, Madison, en direct de Cliquetique. Est-ce que vous aimez lire déjà, madame? J'ai pas trop le temps, en fait. Vous avez pas trop le temps de lire? J'aime bien, mais j'ai pas trop le temps. Si, si j'avais le temps, bah, déjà des trucs policiers. Des... Bon, tu connais cette bibliothèque, tu sais quoi? Tu sais m'expliquer à quoi ça sert? Bah, donner la possibilité à toutes les jeunes d'avoir des livres. Ouais, un système d'échange. Qu'est-ce que tu aimes lire? Je sais pas ce que c'est. Des romans fantastiques. Des romans fantastiques. Bah c'est bien, tu en as un spécial qu'on m'a recommandé, un roman qui plaît plus que d'autres. Ouais, je sais, je vais voir, mais... Allez, c'est là que ça arrive. Les gens, il n'y a pas de soucis. Merci. Merci. Ouais, il y a la classe, ça. Ouais. Ouais, quoi. Lisez. C'est bien. C'est tout. Bon, bah, tu vas prendre quoi aujourd'hui? Je repasse après. Je te conseille celui-ci, Fantasia chez les Ploucs. T'es chouin, je... Ça va vous aller. Voilà. Ça va aller. Me donne pas ton œuvre d'art. Me donne pas ton œuvre d'art. Le fait, c'est que c'est vraiment... C'est vraiment ça. Et une chaîne de... Venez autour de moi. Je vous présente Fantasia et les clowns. Merci les gars, merci les gars. Ah, c'est moi qui ai pour moi qui passe. C'est comme ça. Fantasia chez les Ploucs. Vas-y, allez. Alors, moi, j'aime pas du tout lire, mais je trouve que c'est quelque chose de très bien pour les jeunes, tu vois. Voilà, je trouve que c'est très important pour l'orthographe, comme disait tout à l'heure madame. Puis voilà, je dis, faut s'y mettre, faut essayer, et si t'aimes pas, t'aimes pas, quoi. Est-ce que t'as un livre à nous conseiller? Un livre à te conseiller? Non, j'ai pas de livre à te conseiller, parce que moi, je lis pas beaucoup, tu vois.